cette journée, nous rendons ainsi solennellement hommage aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord il y a tout juste 50 ans. Et cela a été rappelé, ils furent plus de 27 000. Ce furent 10 années meurtrières, durant lesquelles plusieurs dizaines de milliers de combattants sont morts pour la France, tandis que nombreux, de trop nombreux civils, furent aussi victimes des affrontements. 50 ans plus tard, il convient d'encourager une mémoire apaisée de cette période. Le mémorial qui se dresse devant nous, au cœur de Montélimar, rappellera à chacun que nombre de compatriotes ont combattu en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Que l'on soit militaire d'active, que l'on soit officier, que l'on soit soldat, que l'on soit supplétif, bien tous ont combattu pour une même cause, pour les valeurs de la France, au nom de la France. Et c'était quelque chose de très important, et de montrer qu'il y a cette unité et qu'il y a aussi besoin d'apaisement, et qu'il faut se souvenir des près de 30 000 morts qu'il y a eu pendant ce conflit.